s'appelle les citrouilles, c'est Tutur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, c'est la vidéo de la dynastie des Afton. Donc, la famille Afton. Et let's go! La famille des Afton, bah, c'est quoi? C'est dans Fortnite à 30. C'est la famille des tueurs, voilà, qui ont tué les 5 enfants, les 2 enfants. J'ai oublié d'en parler dans mon truc de l'histoire de Five Nights at Freddy's, je suis désolée. Il y a 2 enfants qui sont morts, voilà, dans Freddy Fazbear Pizza avant. Et du coup, ben voilà, donc c'est la famille où il y a le père, tout ça. Donc voilà, on peut commencer avec le plus grand de la famille, qui est Afton, hein. Le grand, le tueur, voilà. Donc William Afton, je vous parlerai de leur transformation après, donc à la fin. Donc William Afton, c'est le tueur, le fameux, le grand. C'est le père des personnages que je vais vous parler juste après. Donc il y a la mère, alors on n'a aucune photo d'elle. Et du coup, vu qu'on n'a aucune photo d'elle, on suppose que y a des gens qui pensent, moi je trouve ça débile, en fait Laura elle est là parce que c'est censé représenter la femme la d'Afton, donc voilà du tueur, donc voilà, donc voilà, hein, donc voilà. Donc après nous avons Michael, voilà, Michael Afton, donc je vous mets sa petite photo, voilà. Et Michael, c'est qui? C'est tout simplement le garçon au masque de Foxy qui est un peu la cause, enfin à cause de lui, donc son frère que nous allons voir juste après, est dans le coma, voilà. Après, nous avons du coup Elizabeth Afton, donc c'est la sœur de Michael et du petit, donc on sait pas comment il s'appelle, hein, clairement. Après, nous avons, enfin, du coup, Elizabeth, elle est dans Five Nights at Freddy's Easter Location. Et du coup, nous avons le petit dernier, garçon d'FNAF4 que j'ai nommé Steve. Hein. Du coup, moi je l'appelle Steve Afton. Voilà, Steve Afton. Et du coup, voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à leur transformation au fil du temps et tout. On peut pas parler de la mère parce qu'on peut dire que c'est Laura, tout ça. Donc, aussi. Donc. Le plus grand, nous avons William Afton. Donc, qui est devenu Scraptrap, petit image, voilà. Scraptrap, le Springtrap bizarre de FNAF 6, de FNAF Pizza Simulator. Arrêtez de l'appeler FNAF 6, hein, c'est débile. Il n'y a pas de FNAF, déjà, il n'y a pas de FNAF 5. C'est, voilà, c'est clair. Et du coup, voilà. Donc après, Michael a subi plusieurs transformations. Déjà, d'abord, il est devenu grand entre temps. Il a grandi et après il a pourri. En fait, il a avalé Enar en quelque sorte. Il a avalé Enar. Donc, Enar, voilà, j'en ai une petite photo. Il a avalé Enar. Du coup, voilà, quoi. Il est plus trop frais. C'est très normal. Et du coup, vu qu'Enar. Il a avalé Enar. Et il a pourri bizarrement et tout. Et un jour, il a recraché Enar. Et après, il est devenu violet. Moi, avant, je pensais que c'était le Purple Guy. Mais non, c'est Michael. Voilà, c'est Michael qui a fait tout ça. Et après, du coup, c'est devenu Springtrap. Donc, l'authentique. Hein, vraiment le vrai, celui de FNAF 3. Donc, après, moi, là, du coup, on va parler de Elizabeth, qui est pour moi spirituellement et Scrap Baby. Voilà, Scrap Baby. Donc, du coup, c'est Scrap Baby. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est elle qui s'est fait scooper, on va dire. Voilà, vous voyez de quoi je parle, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Et du coup, c'est elle qui s'est fait scooper par Baby dans le mini-jeu. Enfin, scraper, comme vous voulez. Et du coup, pour moi, c'est Scrap Baby. Et le dernier, qui est très important dans l'histoire de FNAF, pour moi, c'est le garçon de FNAF 4, Molten Freddy. Et pour moi, Molten Freddy serait le résultat de I will put you back together. Donc ça veut dire je vais te remettre ensemble. Donc pour moi, Molten Freddy, ça serait le résultat du put back together. Voilà, du truc, tout ça. Voilà.
Donc voilà, selon moi, c'est le descriptif de toute la famille Afton, toutes les personnes qu'il y a et tout. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, likez, commentez, activez la cloche et abonnez-vous. C'est très important. Si vous voulez me suivre sur Instagram, m'ajouter sur Snapchat, sur Discord et sur Fortnite, c'est dans la description et à côté. Et moi, je vous dis, hasta la vista.